pour la tôle que je prends. Oh, 21-8. Bon. Ça va. Juste derrière Victorino. Ça va. Ça va. You knocked your wheels out of alignment. Left side. Bon, j'ai des dégâts, mais j'ai le volant qui est tordu, mais ça a l'air d'aller. Ah, mais ça va, oh. Mais Mathieu, c'est un de mes viewers, il me fout dehors, quoi. Bah voilà, ah ouais, Mathieu. Moi je dis, hein, moi je réagis, hein. Moi je suis très très propre comme pilote, mais je réagis, hein. Je vous l'ai dit les gars, la GT3 fixe, Et après il y a des gens ils me disent, mais Anto, pourquoi tu vas pas en GT3? Voilà, Anto, mais pourquoi? Mais on comprend pas Anto, c'est propre la GT3. C'est sympa, il se passe, c'est super. You're in the top 10. Ah ouais, le mec, il sort à l'extérieur et... Ah, Mathieu, il abuse. Il abuse, Mathieu. Mathieu, il est sur ma chaîne il y a 20 minutes. Ouais, salut, Anto. Il me défonce, il me pousse dehors. Voilà, c'est pas... c'est méchant, ça. Là, par contre, j'ai la bagnole qui est un peu... cassée, quand même. Ah ouais, ouais. Et salut Cyril, du coup. Après, en ligne droite, je perds pas trop, donc ça va. Virage, c'est vraiment pas terrible. Ah, ça va être dur. Là derrière, c'est le bouchon. Je fais le bouchon. Ah non, pas deux fois. Con. Même que je fasse gaffe au X. Ah ouais, ouais, non, mais c'est chaud. Hein. Ah, faut que ça s'attaque derrière, c'est la seule solution. On va regarder le départ, parce que le départ, je suis passé entre deux bagnoles en travers, là. Incroyable le départ. Haute. Putain, on est même pas à la mi-course. On est même pas à la mi-course, les gars.
Ok, plus que. Ah, c'était ma chance là, j'ai peut-être gagné un tour ou deux de sécurité. Bah, je pense que Victorino en fait, vu ce qu'il a fait au départ. Ah bah voilà. Bon bah, il n'y a plus de Victorino. Bah, j'allais dire, vu ce qu'il a fait au départ en fait, en bloquant, il a dû se rendre compte qu'il est un peu passé pour un con. Bon, le terme, voilà. Je l'utilise le terme. Et donc je pense en fait qu'ils se disaient depuis tout à l'heure, bon si je leur tape une deuxième fois, je vais vraiment passer pour un con pour le coup. Parce que sa défense dans le premier tour, elle est ridicule quoi. Je suis à côté de lui, il me balance dans l'herbe, c'est pas très utile quoi. RT Cyril, hein, tu verras le replay après. Il y a le volant, je pouvais plus le tourner quoi, j'avais une crampe. Oh bah derrière, oh bah il se tape derrière. Incroyable. Ah mais les gars, je vous dis. Ça, c'est l'effet du coaching, ça. Vous venez faire du coaching, les gars. Je vous autorise à mettre mon skin. Derrière, ils trépassent. Ils trépassent tous derrière. Ils voient mon skin, ils disent, on peut pas le doubler. Il y a un champ de force. Il y a un bouclier de protection. Et voilà. Ça, c'est le coaching, les gars. Ça. Et ça, ça s'apprend. Et si vous venez avec le... le code promo bouclier thermique, c'est moins 10€. Discord dans la description. Je suis pas le con parce qu'il peut y avoir le karma quand même. Hier, pour ceux qui étaient là, j'ai lâché le volant et on a vu ce qui s'est passé. Donc. Je crois que c'est 4, c'est 5 pros et moi je suis premier des pros AM. Ouais, bah pour ceux qui participent à la ligue, ça va être la deuxième course du championnat. Ah. Oh, bah Victorino. Victorino, les gars, c'est un tueur. Hein. Je sais pas s'il a tué le mec derrière, mais je vois Towing. Victorino, le découpeur de Montréal. Ouais, deuxième course du championnat, ça s'abranzache, les gars. Parce que ça, bah, le circuit, je le connais hein, par cœur. Mais sur un facteur 2, j'ai bien roulé. J'ai roulé pas mal. Et là, je trouve que, je sais pas, sur e-racing, je me régale aussi. Donc, la deuxième course, ça sera Monza. Je vais changer le calendrier. Allez, on va finir la course tranquillement. Voilà. Donc là, une nouvelle fois, c'est pour ça que je fais très peu de GT3 fixe. C'est bien. C'est bien, je pense pas que j'ai pas le niveau. Je pense que j'ai le niveau si déjà je prends la meilleure voiture. Mais je pense que j'ai le niveau. C'est juste que le style de course, ben, je le trouve pas très intéressant en fait. Ce côté agressivité des 2-3 premiers tours. Et puis après, ben, vu que tout le monde se tue parce qu'ils attaquent comme des fous furieux, il suffit que t'aies un poil de chance et tu te crées un gap. Et du coup, ben, pendant 10 minutes, il se passe plus rien quoi. Donc oui, c'est sympa à regarder au début, mais très rapidement, voilà quoi. Là, ça fait 5 tours que je suis à l'arrêt, quoi. 23-1. Là, les premiers, ils vont se tortiller le cul, là. Ah, thank you, good race, good race, good race. L'autre, c'est sa 18e course en 3 jours. Ah, good race, you are the man. You are the man, you are the man. You are too fast for me, too fast for me. Et nous, on arrive, escrologue. Ouais, on a gagné le programme. Victoire en Ferrari Challenge! Yes! Bah, c'est tout. Eh, c'est ça, quoi, seule chose qu'on peut espérer. Oh là là. Et ça donne chaud cette course. Alors, déjà. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah oui, mais je comprends pourquoi j'étais pas rapide. Ah oui. Ah oui, mais ça a un peu touché. Hein. Ah oui. Ah bah d'accord. Je me disais, la voiture, putain, elle est. Bon, elle est pas trop mal, mais... Ouais. Ah, ça a frotté, hein. Oh putain, elle est charcutée, la bagnole, en vrai.
Alors, le départ, le départ. Attends, le départ. Alors, le départ. Ah oh, oui. Oh, le boum. Oh, oh. Alors, déjà, avant même le départ, là, je pense que... Je sais pas si beaucoup de gens l'ont vu. Mais avant même le départ, en fait... Bon, là c'est appelez-moi enculé. Parce que l'autre derrière, il a volé le départ avec sa Porsche. Donc vous allez voir. Le petit mouvement, là. Voilà. Le tout petit mouvement pour lui dire, mon gars, attends, oh, oh, oh. Oh, c'est quoi ça, ce départ, là? T'as pas le droit. Hop, le tout petit mouvement. Allez, hop, va mettre une roue dans l'air. Donc du coup, hop, là, ça me permet de repasser devant. Ça, c'est la magouille. Ça, c'est la première. Bon, magouille, c'est lui qui a triché, hein. Devant. Ah ouais, mais devant... Oh, oh. Eh, on s'en sort. Eh, honnêtement, on s'en sort pas trop mal. Hein. Eh, on s'en sort pas trop mal. Hein. Ouais. Oh. honnêtement, on s'en sort pas trop mal. Ah ouais, bah là, on voit qu'elle est déjà charcutée la bagnole. Là devant, c'est la guerre. Là. Là, vous allez voir. Alors, Victorino, comme je dis, moi, j'y en veux pas. Hein. Encore une fois, moi, je m'en fous. Hein. Moi, je... Eh, là, ici, regardez, je suis à côté de lui. Regardez, là, il me balance dans l'herbe. Là, le contact, bon, celui-là, on s'en fout. Là, par contre, voilà, il a voulu me balancer dehors. Bah, moi, je fais la même chose. Hein. Regardez, le peu, voilà. Comme on dit, c'est de bonne guerre. Comme on dit, clairement, bah, c'est de bonne guerre. Voilà. Là, derrière, il met une pression du diable. Là, il y a l'autre devant avec sa Ferrari qui va partir dans la terre. Ou je sais pas c'est lequel qui part dans la terre. Si, c'est lui. Rien à foutre. J'arrive avec un tel delta de vitesse. Oh, là, c'est... Non, mais là. Ah, là, mais là, c'est honteux. Là. Ah, ouais. Non, mais là, c'est honteux, là. Non, ça va, ça passe. Oh, le destin. Non, ça va, ça va. Ouais, tu m'as laissé la place comme une roue dans l'herbe. Bon, j'avoue. J'avoue que là. Ouais, j'avoue que là, ouais. Là, on est, je sais pas si c'est autorisé ça. Je suis pas sûr que ça se soit autorisé. Hein. Après, je ralentis, hein, y a pas de soucis. Hein. Et là, après, je leur balance dehors. Ah ouais, ouais, ah ouais. Là, j'ai fait l'enfoiré. Là, honnêtement, j'ai fait l'enfoiré. Après, bon, ça va, c'est neutre, ça va. Y'a pas eu x4, hein. Y'a pas eu x4. Hein. Donc honnêtement, c'est pas mal. Et après, bah après, il s'est plus passé grand-chose. Y'a juste eu une attaque à un moment donné. Attendez, y'a eu une attaque à un moment donné. Elle est où l'attaque? Elle est là, voilà. Là, y'a eu une attaque de sa part, de Mathieu, là. Ah bah ouais, c'est clair. Là, il a tenté d'y aller, donc du coup, il s'est complètement déséquilibré. Et là, après, il y a l'autre bagnole qui est passée. Ouais, donc ça, ouais, c'est pas grand-chose. Et après, ouais, bon, il y a pas grand-chose. Je crois qu'il l'a redoublé derrière, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est pas mal, hein. Le side-by-side, il est pas mal, là. Ouais, le side-by-side, il est pas mal, là. Donc là, honnêtement, c'est propre. Et après, je crois que... Alors, je sais pas s'il a tué quelqu'un, mais... Alors là, ça c'est son 7 à queue. Ah ouais. Tu vois que la Ferrari grise, elle disparaît. Hein. Alors, je veux pas être de mauvaise langue. Hein. Est-ce qu'il y a eu assassinat? Est-ce que Hitman s'appelle en réalité Victorino? Hitman, Hitman s'appelle en réalité Victorino. Voilà. Vous ne connaissiez pas l'identité d'Hitman? Eh ben, c'est Victorino. Bon, après, ouais. Non, non, non. Là. Et encore, le premier contact, Mathieu, celui-là, ok, ok. Par contre, après, là, tu reviens sur lui une deuxième fois, là, ouais. Carton jaune. Après, c'est la course, hein. En tout cas, voilà, c'était pour, c'était tout pour ce petit stream, petit stream du dimanche soir. Bon, voilà, vous voyez ce qui s'est passé au départ, hein. Je l'ai peut-être tué, mais c'est pas peut-être, c'est je l'ai tué. Mais en tout cas, voilà, course. Enfin, comme j'ai dit, hein, au début c'est rigolo, après très vite, bon bah voilà, on passe un petit peu plus dans l'ennui.
Après, je me répète, le but c'est de s'amuser quoi. Je suis pas sûr que les gens qui refassent 10 fois la course, ils sont là pour s'amuser, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit décalage entre... C'est pour ça que j'ai un peu de mal en fait à m'immerger dans ces courses et en faire plus en fait. Là j'ai été un peu enfoiré, et après j'ai vraiment été enfoiré. Pour ceux qui étaient pas là, regardez ce qui s'est passé après. Là honnêtement, là ce que j'ai fait, bon c'est pas, c'est pas terrible. Voilà, il y a une petite attaque, hein. Moi j'ai vu, je pensais que c'était de la peinture. Hein. Voilà, bon là j'avoue que c'était pas terrible. Ma foi, c'est comme ça. Merci d'avoir suivi ce live, messieurs. Je vous dis à la prochaine. Salut Sky the Geek. À la prochaine. Et puis, bonne fin de week-end. Ce soir, il y a l'IMSA à 20h10 sur... 20h10, je crois, sur IMSA TV, sur Mid-Ohio. Pour ceux qui veulent aller regarder ça, bah, vous tapez IMSA TV, puis vous trouvez l'IMSA gratuit, en anglais, certes, mais avec des bons commentateurs. Ça change de certaines chaînes YouTube. On ne dira rien d'autre. Ciao.